Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on reprend cette dernière fois dans le Wangfu de Company of Heroes 2, l'opération Barbarossa. Voici, nous allons attaquer la mission qui s'intitule Approche de Leningrad. Environ de Leningrad, Russie, URSS, novembre 1941. Bien que l'objectif principal de la Wehrmacht soit la prise de Moscou, la ville de Leningrad constitue également une cible de choix. Un groupe d'armées nord convoite la vieille capitale tsariste depuis le début de l'opération Barbarossa. Étant donné que je suis seul, je vais jouer en difficulté normale. Voilà, c'est pas que je peux faire contre les IA difficiles, mais la partie reste encore beaucoup plus longue que vous avez vu quand on a joué avec avec Delta. Ça a pris 40, à peu près 45 minutes, alors qu'on est des joueurs d'un bon niveau et que chacun d'entre nous on peut se faire une IA experte facilement. Enfin, facilement, on peut s'en faire une. Là, j'ai pas confiance en fait sur mon IA, tout simplement. Voilà, je vais pas vous mentir, j'ai pas confiance avec l'IA avec moi. Donc je préfère mettre que des IA normales On devrait fabriquer des raquettes. plutôt que mettre des De IA mon côté, difficiles et avoir une Mathieu va IA me tenir chaud. bancale. Deuxième information aussi, j'ai utilisé un bug. Ici, on voit que le pack 41 n'est pas disponible à cette Soldats du époque. génie! Je dois me Terminé, dire en bon, à route quoi pour ça le sert point que je de prenne ça alors. remplacement. En réalité, je sais pas si c'est un bug Soldats du génie, on met un point de d'affichage ou remplacement. si c'est un bug de disponibilité, mais on peut construire le pack 41. Quand vous jouez contre les IA difficiles, Les soldats du génie s'emparent de pack 41, l'objectif. excusez-moi, pack 43. Quand vous jouez contre des IA difficiles, vous en aurez besoin, notamment sur cette map. Je vous conseille d'en construire un ici, voire même deux. Une unité de MG42 est parée en route pour la Au tir capture. difficile, votre On objectif est vraiment de capturera. faire une position défensive là-haut. Vous avez deux objectifs, hein. Ce territoire n'est à personne. Et vous posez Envoyez pas les de soldats questions. du génie s'exiler la Vous capture. mettez vos troupes Capturer là-haut et ce point barre lieu. à la ligne. Ils comptaient sur Bon, nous. par On va le contre, capturer. Les soldats du c'est génie ce qu'on fait. s'emparent de l'objectif. Ici, après, on va surtout nous se concentrer là-haut, mais ce qui est important. Après, avec le temps, c'est de mettre un ennemi de mitrailleuse là pour bloquer le passage là, un ici pour bloquer là, un ici pour bloquer ici, Unité de et si mitrailleuse possible, lourde un là est à pour le mes joueur du ordres. bas, comme ça il bloque là, là, comme ça on va plutôt bien facilement. Ici on bloque le centre, voilà. Et après, on fait un pas 43, un là-haut, et on bloque globalement l'arrivée des chars ennemis. On a enrichi la patrie. Parce que, oui, pour On ceux met qui se un posent la point question, d'honneur à oui, le prendre. Nous pour avançons. réussir dans les théâtres de guerre en 1941 pour les Allemands, le meilleur moyen Là. c'est le pack Allez, 43, entre de grands tout trous. simplement. Besoin de tirs d'appui. Sinon, En c'est avant. vraiment compliqué. Vous l'avez vu Soldats du génie lorsque en j'ai attente joué à d'ordre, mitrailleuse Luftwaffe parée. Descendez. dans l'une Unité des deux missions mitrailleuse en mouvement. précédentes. Je crois Ici que c'était première mitrailleuse de de petit Kharkov. calibre. J'ai un doute sur le nom de la mission. Une unité de MG42 est parée au Donc sol. sur celle-ci, j'ai eu Comptez beaucoup sur de nous. mal, bon, On va capturer ce lieu. à démonter. On a Attention. gagné, on a gagné. J'ai tenu, vous Replie-nous. voyez, On est j'ai arrivé. tenu, j'ai énormément de munitions, donc le soutien, j'avais ce qu'il fallait. On le Mais voilà, capturera. c'est pas aussi efficace que des qu'un pack 43. J'avais que des packs 40. Ce territoire n'est à C'était personne. tendu, faut On dire va y comme ce qui remédier. est. Bon, on a Mitrailleuse parée. gagné, je vous rappelle que nous avons réussi la mission Ouvrez une porte. précédente. Nous avons gagné. Soldats du génie Ah, en attente sur du d'ordre. front, nous avons réussi, hein. On a eu beaucoup de mal, mais Nous avons on l'a libéré fait. l'objectif. Donc voilà, c'est vraiment pour vous dire, Jamais sans vous, le c'est toujours bâtiment possible de est gagner. prêt. Et là, en fait, la grande différence avec l'IA difficile, c'est que l'IA difficile, vous aurez déjà envoyé beaucoup de troupes. Mitrailleuse Il faut se d'appui en dire que vous avez en attente. fait un temps supplémentaire C'est avant l'arrivée des sécurisé. chars lourds Éloignez les avec ennemis. l'IA normale. Et je suis Vous vraiment voulez pour construire ou avoir un détruire temps quelque bonus. chose? On est paré. À entraînement, voilà, j'y arrive à faire Prêt à en l'emploi. difficile, mais bon, comme je vous l'ai dit, ça prend énormément de Il est temps. temps. Soldats du génie, repli. Donc, je Mitrailleuse préfère lourde. vous Je préfère, voilà, je me suis rendu compte, c'est gênant quand même de mettre une mission, voilà, en deux parties. Encore la campagne, ça me gênait moins, autant là, ça me dérange plus. Donc je préfère
sincèrement vous fournir une difficulté inférieure. Notre bunker peut maintenant recevoir une MG42. Mais que ça ne dure qu'un épisode. Section de... ouais. Sortez et surveillez les signes d'engelure. Donc maintenant, continuons et remettons-nous dans la partie. Donc, ce qui est toujours important, comme on l'a déjà précisé, c'est l'essence. Il faut avoir l'essence pour gagner. En mouvement. Donc, ici, étant donné qu'on contrôle cette ligne de secteur-là, l'essence-là n'est pas connectée, donc c'est pas grave. Je contrôle ici, donc voilà. C'est vraiment important de contrôler l'essence. Plus vous gardez longtemps l'essence, plus les KV1 arriveront. Les soldats du génie ont terminé. C'est important. Bon, il y a différentes techniques pour retarder l'arrivée des KV1. Bon, pour tenir. Hein. Mitrailleuse d'appui en attente. Voyons, mon service rendu à la patrie. Une promotion. Bon, l'IA, ouais, elle reprend. C'est exactement ce que je veux. L'IA, elle reprend. Bon. Et moi, je vais faire des petites voiturettes. Voilà. Je vais pas mentir. Le gros avantage de voiturette, c'est que vous voyez, augmentation de vision et la précision des tirs. Et ce véhicule-là, amélioré, fait très 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 mal à l'infanterie. Pour l'instant, je suis équipé que d'une mitrailleuse MG42 standard. C'est globalement, on va dire, moyen. L'infanterie peut désormais creuser des tranchées pour renforcer ses positions. Les soldats du génie peuvent désormais construire des obstacles anti-char. Marche dans la neige. Je déteste marcher dans la neige. Dégage, pilote. Feu. On manque des balles. Nice. On est paré. On fiche le pas vu de la vie qui reste. Bien joué, équipage. On a eu une promotion. Tireur, donne-moi ça. Changez de cible. Changez de cible. Véhicule de on dégage de là. Voilà. Là, je peux l'améliorer. Ça ira encore mieux maintenant. Prêt à agir. À cet endroit, pilote. Et normalement, quand vous avez le premier véhicule, vous aurez 3-4 minutes en fait où. Même peut-être même plus, vous serez totalement libre contre l'IA difficile avant qu'ils aient les grenades anti-char. Voilà. Donc tout ce temps gagné, c'est vraiment énorme, je vais vous mentir. Vous pourrez comme ça vraiment détruire énormément de troupes ennemies. Ce qui est quand même non négligeable aussi. Hein. Attendez, par contre, il me tire ça et le véhicule là, faut qu'il reparte. C'est parti. On devrait fabriquer des raquettes. Les enfoirés bolcheviques. Allez. Voilà. Défense à ça. Feu. Étant donné que vous avez des véhicules pourris, pourquoi pas faire des voiturettes en début. Parce que le pack 43 ne consomme zéro d'essence. Il consomme 480 points d'effectif. C'est quand même non négligeable. Et il consomme au final 0 points d'essence. Voilà, ça vous donnera vraiment énormément de force en début. Soldats du génie, retour à la base, repli. En mouvement. L'ennemi attaque un de nos bâtiments avancés. Allez, allez. Feu. Sortez nos armes. Cible. On est les meilleurs. Besoin de quelque chose. Voilà, c'est vraiment des unités mitrailleuses lourdes. Très très puissantes pour aider aux unités. Emmène-nous là-bas. Dégagez.
On a besoin de réparation, soldat du génie. On nous prend par le flanc. Donc là, on répare. Prenez vos outils. On a besoin de réparation. Et on va envoyer des escouades de grenadiers pour. Et on va appeler aussi deux canons anti-char. Parce que c'est pas parce qu'ils vont pas sortir de KV1 rapidement qu'ils vont pas nous sortir de véhicules quand même. Soldat du génie, prêt à tout. Donc le premier blizzard, c'est une bonne nouvelle. Terminé. Réparez-moi ça immédiatement. Une nouvelle unité de grenadiers. Donc voilà, ça c'est bon. Ici, je mettrai une mitrailleuse parce que l'IA elle passe beaucoup trop ici. Beaucoup, beaucoup trop. Hein. Normalement, elle devrait réussir à passer là, beaucoup moins souvent. Un canon pack attend nos ordres. Terminé. On a du travail de construction. Véhicule de reconnaissance en dépassement. On bouge. Ne vous relâchez pas. L'ennemi a encore 300 points. Voilà. Et voilà, on est en train de les dégommer. Territoire ennemi. Il y a trop de neige. Quels sont les ordres? On dégage de là. Défense à ça. L'infanterie nous tire dessus. Et les véhicules peuvent être mis en position. Partie basse cachée pour se défendre. Bon, ça c'est pas très important. Besoin de quelque chose? Allez, allez. Merci. A été amélioré. Après voilà, c'est pas des véhicules très résistants donc On attaque l'infanterie. Au premier anti-char, vous voyez, ça souffre. Équipage du pack prêt. J'ai horreur de la balise. On essuie les attaques des vols. À l'attaque. On est vétérans. Prêt. Ordre bien reçu. Sortez nos armes. Oh non. Je crois en fait avoir le temps de le contourner. Bah, on est continu. Mais c'est pas trop grave, vous voyez, on est continu à normal. Une erreur comme ça, continue à difficile, est très grave. Hein, faut pas faire de mouvement, voyez. Aussi sophistiqué, faut vraiment rester prudent. C'est difficile. Constant, ouais. Faut avoir un niveau constant, faut pas tenter de faire un mouvement et. Et voilà, ça passe pas. Et si ça passe pas, le problème c'est que vous êtes... ça vous fout au fond. Tout simplement. Donc voilà. Alors, on continue avec notre MG. Avec l'USDK. Machin là. Vous voyez que KO c'est devenu vite. Hein. Et voilà, maintenant, le canon anti-char, on va. Et j'ai le body block. Vous voyez? Aussi. Eh, ils vont quand même sacrément tôt aussi le cas. Bon, en fait ils ont qu'à venir de courir aussi rapidement. Section, on nous attaque. Plus vite. Courez comme des soldats du génie. À cet endroit, pilote. Ils nous ont repérés. La capacité de production a été. Nos adversaires s'emparent d'un secteur. Véhicule de reconnaissance en défense. On attend. On attaque! Les forces ennemies sécurisent notre territoire. Besoin
de tir d'un. Section en route. Il était temps qu'on soit trop vite. C'est parti. Des grands autres t-shirts, ils avaient. J'ai pas vu. Au stade où on en est, c'est normal. Ouais, notre coéquipier, notre IA a lié à ce qu'il faut, donc moi ça me va. On essuie les tirs. Grenadier au rapport. Yavol. De l'équipement tout neuf arrive. Peut me permettre. Ce qui est important, vous voyez, c'est de tenir le haut. Vous donnez le haut, ça ira bien. Vous perdez le haut, ça ira mal. Et voilà, là on fait notre pack 43. On a du travail de construction. Bougez-vous. Pour finir, hein, go. Notre bunker peut maintenant recevoir une MG-42. C'est une mitrailleuse de l'armée. Arrête. On prend pour la nerf patrie. Voilà. Bon, vous voyez, ça va plutôt bien là. On prend du terrain partout. Comme toujours, l'essence étant le plus important, le récupérer est indispensable. Ça s'est reformé, ça peut repartir. Enfin, ces troupes là sont reformées donc ils peuvent retourner au combat. Mon équipage se fait descendre. Nous avons forcé l'ennemi à descendre à 200 points. En avant. À l'intérieur. Et plus vous améliorez votre pack, plus la cadence de tir sera. Par contre, petite information. Vous pouvez le détruire avec des chars si vous le prenez de dos par exemple. Tire de petit carré à du gène. Vous voulez mourir? Dégage. On nous abattez la section de mortier. Pack paré pour la chasse au panzer. Mitrailleuse. Par exemple, là, celui qui lui tire de dos. Ah bah non, pas bien joué. Pas de bug. Lance flamme paré. Soldats du... Restez là et on est tous morts. Je vais en faire un deuxième. Le bon côté, c'est que bâtir va nous tenir chaud. Voilà. On est paré. On se fait attaquer par les soviets. Bon, j'ai perdu une mitrailleuse. Détruisez tout avec une grenade à fusil. Repliez-vous au point de ralliement. Ça fait mal quand même. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Voilà. Ce qui est important, avoir les munitions c'est pas le plus important, mais c'est vraiment d'avoir une ligne de défense comme ça, là et là. En haut parce que vous bloquez les unités ennemies, ici parce que vous empêchez de prendre l'essence, en bas parce que vous empêchez de prendre l'essence et vous tenez le point là, et ici pour éviter qu'ils fassent une percée au centre et prennent par derrière vos défenses. En route. Bah, c'est... Quand vous êtes... Je vous conseille vraiment de faire ce théâtre à plusieurs parce que tout seul c'est... C'est terminé. L'adversaire est descendu à 100 points. Tente de prendre notre secteur. Ok, retour à la base. Oh, bordel de chasse. Faut y aller. Nougas. Non, bon, je vais te demander d'aller ici, mon cher ami. Ouaf. L'IA de manière générale c'est à peu près ce qu'il faut faire, donc évitez de donner des ordres. Si jamais vous avez vraiment besoin de l'IA quelque part, donnez l'ordre de venir et c'est tout. L'ennemi est tombé à 75 points. MG-42, détruisez-les. Passe. On se bat. Feu. Les amis.
améliorer pourtant mes unités d'infanterie, hein. Les grenadiers subissent des pertes, de revenir à la base. Amélioration. Une structure avancée est attaquée. On y va. Allez, on va faire une overdose de pack 43. Même mon maître ici. Jamais très drôle de bâtir en hiver. Ça va sûrement pas fini d'être construit de sa fin. Mais vous voyez, l'avantage du pack 43, c'est que là-haut, s'il m'enverrait plein de chars lourds, j'ai des gommerets. J'ai des bunkers, des mitreuses pour y couvrir. Donc ça me fait pas peur, honnêtement. Et je joue, information, je fais la même stratégie en difficile. En difficulté, donc générale. Je ne veux pas se dire parce que je suis en normal, je fais une stratégie. Non, non. C'est la stratégie que j'utilise en difficile. Bien reçu. Barricade. Yavol, on dégage. On passe au secteur hostile. Prêt à l'emploi. Et boum, on a un tir avec un petit tir de pack 40. Allez, lancez une grenade à fusil. Et boum. Expérience, y'a que ça de vrai. Celle-là m'a sifflé juste en dessous de la tête. Un poste de soin à côté est vraiment pratique aussi. On tire sur le Panzer ennemi. Besoin de casser du courant dans les ors. Attaquez leur blindé. Et nouveau, un Panzer vivre, écoutez-moi. Au moins, on ne touche pas dans la boue. Je déteste ça. À vos ordres. Le bunker est construit. Yavol, envoyez sur le Panzer ennemi. On miette ce Panzer moyen. La victoire est proche. Il ne reste que 25 points à l'ennemi. On y va. Par contre, voilà, le bombardement d'artillerie. L'ennemi attaque un de nos bâtiments avancés. Et la faiblesse de ces dents. Faut encore qu'il y en ait une. Vous imaginez sinon. Voilà, deux tirs détruits. Quasiment n'importe quel. Remettez ça en marche. Pas grave, qui surveille nos arrières. Repliez-vous. Par contre, oui, là j'ai oublié de mettre la défense sur le côté droit, vous voyez. J'ai fait mon radin et ça pardonne pas. Prêt à intervenir. Mitrailleuse d'appui en attente. Ils viennent de derrière. Ils essaient de nous prendre par derrière. Le blizzard est imminent. La section est au complet. Ces bâtards essaient de nous avoir par le flanc. Ils ne peuvent pas y tenir longtemps. Bon, voilà, la partie est terminée, il reste 2 points. Attention au flanc. Ouais. La capacité de la Wehrmacht à garder Stalingrad sous son joug resta incontestée jusqu'au début de l'année 1943. Les soviétiques ne parvinrent finalement à briser ce siège qu'en janvier 1944. Je crois qu'ils voulaient dire Leningrad et pas Stalingrad là. Parce que la mission s'institue quand même approche de Leningrad. Et le siège de Leningrad est brisé en 44. Souffrons à la patrie une victoire. Bah bon, j'espère que vous avez passé comme un agréable moment en ma compagnie, que bon, je m'en excuse encore, c'est pas en difficulté quand même très difficile, mais bon, voilà. N'abusons pas quand même un peu de, voilà.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien et à ciao tout le monde.